おとなしく返すわけにはいかないぞ。世界ナンバーワンストライカーはこの俺だ。Bonsoir tout le monde, ici N Bandicoot et on se retrouve aujourd'hui pour deux vidéos sur Captain Tsubasa Dream Team. Pourquoi deux vidéos? Parce que je vais faire deux parties, ça sera plus simple. Parce que, oui, on a le Dream Fest un jour avant la fin du mois, enfin le dernier jour du mois. Ils nous avaient déjà fait le coup, je le sentais venir, je vous le dis, avec la maintenance, le fait qu'ils nous mettent le bonus de co dès aujourd'hui et tout, je me disais... Ils seraient capables de nous le mettre aujourd'hui, ils l'ont fait, tant mieux pour moi, parce que vu qu'il y a le portail Boops qui arrive demain, samedi sera réservé exclusivement à Shiny, hein, la vidéo invocation bien entendu, et s'il chope quelque chose, il vous fera la review le samedi après-midi. Et juste pour dire, dimanche également, vous aurez une vidéo de Diaru sur les mangas, je vous en dis pas plus, n'hésitez pas à la regarder parce que Diaru a fait beaucoup de taf dessus. Comment ça va se passer? Première partie, on va se concentrer sur l'analyse et les invocations du Super Dream Fest. Hein, de toute façon, vous avez vu l'intro en début de vidéo et quand vous avez lancé le jeu, si vous avez invoqué déjà, je pense, parce qu'encore une fois, je peux pas invoquer dès le début, j'en suis désolé. Cet été sera plus facile, vu que j'aurai des vacances. On va faire également le SSR garantie dans un premier temps. Je vais commencer par le SSR garantie dans cette vidéo. Pour savoir après si jamais ça peut m'aiguiller pour le Dream Fest, parce que j'ai encore un doute, même si je sais à peu près sur lequel je vais invoquer. Et deuxième partie, dans la deuxième, deuxième vidéo, je vais faire un recap conseil, comme d'habitude, sur tous les events qui sont venus. Hein, donc vous inquiétez pas, il y aura cette dose-là dans une autre vidéo qui arrivera après. Donc là, sur le bonus de connexion, je vais en parler après en détail dans la deuxième vidéo. Et on a eu le ticket SSR garanti, on va commencer par ça. Et avant de l'invoquer et de choisir, je vais vous dire déjà 2-3 petits trucs. Donc vous voyez, Super Dream Fest, on va y revenir après, vous inquiétez pas. Il y a encore le portail élément qui est disponible. Pas de mixeur sur Dream Fest, c'est dommage, hein, ça serait trop facile. Ah voilà, recrutement premium avec SSR garantie à choisir. Donc, vous pouvez choisir le type, donc force, technique ou vitesse. Et après, vous aurez un pool de 5 SSR et vous pourrez choisir un parmi les 5. Comme le pack payant qu'on a eu au début d'anniversaire, vous voyez, ça ressemble à ça. De ce que j'ai vu, il n'y a pas les Dream Fest ni les Dream Collection, c'est fort dommage. Parce que moi, dans ces SSR hors Dream Fest et Dream Collection, enfin hors exclusif, il n'y a pas beaucoup d'SSR qui m'intéressent. La Timon, déjà je prendrais pas le rouge. Parce que en rouge, j'ai trop de chances d'avoir que des doublons et non. Vert, oh, ça serait là où j'aurais le moins de chances d'avoir des doublons. Cependant, ça m'intéresse pas du tout. Je vais quand même peut-être tenter bleu parce que des petits défenseurs bleus, ça ne dérangerait pas. Ou d'autres bleus. Parce que j'ai quand même des manques en défense bleue si je veux me faire une full bleue. Donc je vais choisir la bleue. Donc effectuer un recrutement. Là voilà, ça vous met le petit truc comme ça. Je vais choisir bleu. J'espère ne pas le regretter. Parce qu'en vert, j'aurai assurément un nouveau perso. En rouge, je vais éviter. Parce que on a aucun qui m'intéresse. À part Gentil et rouge. Et même Gentil et rouge, je le mets pas titulaire quoi qu'il arrive. Hein. J'ai déjà plein de rouges. Même si je fais une team rouge, il pourrait être titulaire. Mais c'est pas la priorité. Donc on va choisir bleu. C'est parti. On va savoir. J'espère pas 5 doublons parce que sinon je vais péter un câble. La dernière fois que j'ai eu un choix à faire comme ça sur Bleach, ça s'est très mal terminé parce que j'ai dû choisir Toby Ume, hein, rappelez-vous, hein, les joueurs de Bleach. Alors, là on va avoir des animations de fou furieux comme d'habitude, hein, avec Roberto qui vient. Les souvenirs un peu goldés. Donc voilà, on va sauter. Ça sert à rien, on sait que c'est 5 SR. Alors voyons voir. Est-ce qu'après la carte c'est une nouvelle? Ok, Levin, ah, il revient après le fait que j'ai choisi Rival plutôt que lui lors du pack payant. On pourrait déjà choisir lui. Ensuite, Pierre Doublon, Matsuyama Bleu, bon. C'est un défenseur qui a du coup un passif sympa, comme vous pouvez voir. Ça, on en parlera dans la deuxième vidéo, vous inquiétez pas. On fera un focus sur les passifs intéressants. Bonne lecture de jeu en duel, paramètre plus 50%. En gros, quand vous choisissez le bon truc, bah... Donc, c'est pas mal. Ça le rend beaucoup plus jouable qu'avant. Alors, Espadas bleu, je m'en fiche. Et le dernier, ça va être quoi? Ouais, bah, c'est soirée, celui-là, je crois. Non. On peut pas cliquer longtemps dessus? Ah, si, quand même.
Ouais, c'est Suarez, que j'avais déjà eu, que j'ai jeté dans un mixeur. Alors, je choisis quoi, Matsuyama ou Levin? Allez, montre-moi le joueur, s'il te plaît. Ah, j'ai réussi à l'afficher, j'ai eu le test un peu mal fait leur truc. L'avantage de Levin, c'est que bah il a son leader skill tout pareil, plus 7% pour les non-japonais. C'est vrai que c'est pas négligeable. Après, ATMO, vous savez qu'en MO, bah mes MO bleus, je suis blindé déjà. Et en attaquant, c'est pas un attaquant ce Levin, hein. Clairement, il est pas. Enfin, il a un tir A quoi. Donc non, c'est. Je sais pas. Après, il a le passif tueur d'endurance. Et concernant le Matsuyama. Problème, c'est qu'il a un tir et un tac quoi. Après, il a une interception B60 farmable, ça je suis d'accord. Et un con... Bah, ici, il avait le contre du World Cup également, c'est vrai, j'avais oublié. Que je n'ai pas farmé, hein, dommage. Et après, il a quand même des stats relativement faiblards, vu que c'est un tout premier perso du jeu. Je sais pas qui choisir, franchement, je sais pas qui choisir. J'aurais préféré un Ishizaki lycée ou autre chose, ça aurait été plus sympa. Bon, je vais partir sur Levin quand même. Parce que bah, ça me permet, pour les limit break, je vous avoue que ça m'augmentera de 20%, vu que pour les rouges, j'en ai absolument besoin, donc je vais choisir Levin. Tant pis pour Matsuyama. De toute façon, il est pas un... S'il avait un skillless encore, je l'aurais pris, mais on... Ok, on a pris Levin. Donc, je vous retrouve tout de suite. On va parler, dans un premier temps, des taux de drop des différents portails, parce qu'il y a pas mal de choses à dire. Alors, on va parler, dans un premier temps, pour les drops du portail de Santana. Comme vous pouvez voir, vous avez vu, de toute façon, les détecteurs, il y a le Santana, et avec lui, il y a Levin, Jito et Matsuyama, les 4 sont à 0,42%. Je vous laisse faire le calcul, 1,6% hein, pour les détecteurs. Et du coup, vous avez 3,4% pour les hors détecteurs. C'est un taux affreux, hein, ça c'est clair. Pour avoir des taux... C'est le problème de Tsubasa, ça changera pas. Cependant, il y a le petit effet qui se coule. Il y a des hors détecteurs. Dans ce portail-là, vous avez Rivaol, Napoléon et Misugi. À 0,045%. Et puis tous les autres SSR dont on s'en bat les steaks, à part pour certains, genre Tsubasa 283 naturellement, qui sont du coup à ce taux de drop là. Donc là, vous voyez, vous avez sur ce portail là 7 Dreamfest, donc tous les autres naturellement sont sur l'autre portail, je vais vous montrer tout de suite. Donc pareil sur ce portail, le nouveau plus 3 anciens Dreamfest dans le détecteur à 0,42%. Donc là, vous avez Xiao Zhongguang ou Shoshunko hein, en VO, Shunita, que j'ai déjà, Karls, que j'ai déjà, Ino, que j'ai pas. Vous avez vu, hein, la petite... comment Calab s'est débrouillé. Ils vous mettent Ino sur le portail de Shoshunko pour vous forcer à invoquer sur ici, alors que ça serait mieux sur le portail, ils sont pas bêtes. Et pareil, Jito, qui irait très bien avec Xiao Zhongguang ou Shoshunko, bah, ils l'ont mis sur le portail de... de Santana, voilà, hein, c'est comme ça. Et puis vous avez 4 autres Dreamfest hors détecteur à 0,044%. Du coup, vous avez Diaz, vous avez Pierre, vous avez Naturezza et vous avez Bunak. Donc, vous comprenez peut-être pourquoi je suis un peu dans le dilemme. Xiao Zhongguang m'intéresse plus que Santana. Santana, je n'ai pas une team, bonne team verte. Je pourrais faire du 27% si je voulais. Cependant, ma team verte serait dégueulasse. Je pourrais pas le jouer à fond, donc si je le chope, si je voulais le choper, tant mieux, mais c'est pas vraiment priorité. Xiao Zhongguang, qui est bleu, moi qui ai besoin de défenseur bleu, vu qu'il est MDDF, ça serait parfait de l'avoir. Cependant, j'en ai deux du détecteur déjà, alors que j'ai aucun du détecteur dans l'autre portail. Donjito, pardon, excusez-moi. Et là, ok, j'ai deux doublons, mais c'est des hors détecteurs. Et puis il y a également Pierre et Buna qui sont des défenseurs, qui pourraient grandement renforcer ma team. Donc, c'est un peu compliqué, je dois vous avouer. Et puis, vu que j'ai eu, comment dire, Shingo, c'est vrai que pourquoi pas faire une japonaise, j'essaie de choper Jito, mais bon, ça, on verra. Donc, je vais invoquer sur ce portail, je vous le dis, hein, sur celui de Xiao Zhongguang. Si je chope Xiao Zhongguang dès la première multi, je me casse de ce portail et je tente sur Santana, tant pis pour la multi gratuite, parce que je pourrais pas mettre plus, faut pas déconner. Et j'ai oublié de vous dire, j'ai fait les 4 steps en catimini. Pour ceux qui me suivent sur Twitter... Vous êtes déjà au courant. J'ai eu Müller sur le quatrième step. Les trois premières steps, non, les deux premiers steps m'ont rien donné. Le troisième m'ont donné Galvan rouge et Diaz vert de nouveau, mais je m'en foutais un petit peu. Même si Galvan pour une full rouge plus tard, ça va me servir. Mais j'ai eu du coup Müller. Mon objectif des World Cup. Donc j'ai deux super gardiens avec Müller World Cup et Waka World Cup vert. Donc voilà, c'est vraiment en défense que faudrait que j'améliore un tout petit peu parce que le problème de Misugi.
C'est qu'il est vert. C'est tout, voilà, c'est qu'il est vert. Tout simplement, donc j'aimerais bien mettre quelqu'un d'autre à sa place. Après, dans une full jap, je suis content quand même d'avoir ce Mitsugi God Tier. Maintenant, on va passer à la présentation de Santana et de Xiao Zhongguang, et après, on va faire les multi. Allez, on va commencer par présenter Xiao Zhongguang, qui est classe, hein, dans son maillot chinois officiel. MDDF, comme je disais, donc ça peut être intéressant pour moi, vu qu'il est de type vitesse. Il a 1004 d'endurance. Comme d'habitude, quand je dis plus de 1000 d'endurance, c'est bien, parce que c'est pas le cas de tout le monde, n'est-ce pas Mitsugi? Donc, stade d'attaque 17669, il a 5444 de dribble, 6373 de tir. Pour un MDDF, c'est très bien, et puis on parle de Xiao Zhongguang, donc c'est logique. Et 5852 de passe. Défense, 20772. Il a 6421 de tacle, 6178 de compte, c'est con, j'aurais préféré qu'il ait plus de compte que de tacle. Et 8173 d'interception. Plus de 8000 d'inter. Vous voyez, vers où il va se diriger du coup. Stade de physique 18536, donc plus de 18000 c'est bien. Il a 6114 en rapidité, 6176 en puissance, 6246 en technicité. Polyvalent as fuck ce Xiao Zhongguang. Parce que vous pourrez même tirer, hein, c'est clair, vous allez comprendre pourquoi. Alors, on continue avec ses passifs dans les Dreamfest, hein, on ne change pas d'air, on ne change pas de méta par rapport à ça. Et vous allez, ça va être confirmé avec les passifs des deux nouveaux Dreamfest, hein, vous allez comprendre. Donc joueur type vitesse, tout paraît plus 10%. Il m'en manque un, pour l'instant je suis à 27% en bleu. Donc pourquoi pas le choper. Il a une interception de rang S, qui coûte 370 de stam. Il a un tiers de rang A, contre coup canon rapide, qui est une spé distance. C'est une spé A, mais c'est une spé distance. Si vous avez le rouge, bah, vous pouvez toujours lui passer la spé S si vous avez envie de tèche le rouge. Pourquoi pas, hein, c'est possible. Et il a un tacle tueur de rang A. Concernant les skills que vous pouvez lui donner, alors si vous avez fait l'event, moi j'ai tout donné sur mon Xiao Zhongguang rouge, hein, c'est clair. Mais du coup, si vous avez des tickets, il y a un tacle B60. Après, vous pouvez toujours monter ce tacle A avec les ballons, ça peut toujours être utile. Vous aviez une passe C40, il y a une volée, je crois, farmable, donc ça on s'en fiche un petit peu pour un MDDF. Et bah, du coup, si vous donnez notamment votre rouge à celui-là, si vous avez envie, ou si vous avez un doublon, surtout si vous avez un doublon, n'hésitez pas. Vous pourrez lui donner l'aspect S distance, et vous voyez qu'avec sa stat de tir à plus de 6000, comment vous dire qu'il peut faire chier s'il tire de loin de n'importe où, hein. Et du coup, un nouveau passif que Santana aura un équivalent, puis à deux joueurs de type vitesse participant au match, plus les paramètres augmentent, maximum 10%. 10% c'est quand même léger quand on sait que Shingo ça monte à 25% puis, par rapport au nombre de japonais qu'il y a sur le terrain. Mais là, on a amorcé une nouvelle méta avec les World Cup. Là, on retourne en arrière sur le Dreamfest parce que là, avec ses passifs et leader skills, ça vous encourage à faire une team full bleu pour Xiao Zhongguang. Et vous allez voir une team full verte, hein, pour Santana. Donc, c'est à peu près bizarre. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Là, je trouve qu'ils font un peu marche en arrière pour pas aller trop vite. Et du coup, le deuxième DF, Carlos Santana, que beaucoup de monde attendait sur le Dreamfest anniversaire. Ils l'ont fait, hein, voilà. 1029 d'endurance, c'est un technique, je disais, qui est que attaquant, qui ne peut pas être émossé. Donc juste attaquant. 1029 d'endurance, c'est beaucoup, franchement, c'est vraiment pas mal. 20276 d'attaque, c'est vraiment bien. 6083 de dribble, 8359 de tir, 5834 de passe. Donc c'est un pur 9, avec des stats un peu EP, mais c'est un pur 9. Il y a quand même moins de stats d'attaque que Tsubasa Sao Paulo, c'est ça qui est drôle, parce que Tsubasa Sao Paulo culmine à 21 000 d'attaque. Je dis ça, je dis rien. Par contre, après, Tsubasa Sao Paulo n'a pas les stats de physique et de défense qui suivent. 16 826 de défense, il y a 5 780 de tacle, 5 542 de contre et 5 606 d'interception. Donc pas dégueu pour un attaquant. Après, il sera pas là pour s'occuper de la défense. Stats de physique 19 138, c'est beaucoup, vraiment beaucoup. 6017 de rapidité, 7490 de puissance, donc c'est très bon pour le tir. Et 6131 de technicité. Concernant ses SP, alors déjà, et le leader skill, genre type technique, tout paraît plus 10%. Il m'en manque. Non, c'est pas qu'il m'en manque un, parce que je suis à 17 actuellement, je pense. Donc non, il m'en manquerait plus. Il a le même passif que Xiao Zhongguang, donc plus il y a de type, genre de type technique, plus ça monte jusqu'à 10%. Si vous avez une team full verte. Alors il y a le Skywing Shot de rang S, 475 de stam, et c'est confirmé, ce tir est une arnaque, parce que on parle du Skywing Shot qui est comme le tir de
faudrait qu'il y ait une variante du tir de Yuga, le Raiju Shoot, parce qu'il laisse traîner le pied, hein, que ce soit Tsubasa ou Santana. Et, pas d'effet spécial. Pourquoi? Je ne comprends pas. Ça, c'est vraiment la grosse quenelle sur cette spé, parce que ça vous consomme énormément de stam pour un tir qui n'est pas si puissant que ça par rapport à la stam consommée. Et en plus, il n'y a pas d'effet spécial genre dégage des joueurs ou spé lointaine. C'est le premier Tsubasa, Santana, lapsus de merde, qui n'a pas de spé distance. Pas de panique. Si vous étiez là au début du jeu, il y avait un Santana farmable qui donnait une spé B60 à distance. Et si vous pouvez donner le Santana rouge, spé distance également. Il a du coup Dream Duo du Brésil. Deux rangs A, comme vous pouvez voir, Santana avec Natureza. Moi, je vais vous conseiller autre chose après. Et il a frappe d'affilée en deux phases. Du coup, voilà, qui est une volée. N'oubliez pas qu'il y a une passe farmable B60 pour Santana. Et je reviens tout de suite parce que je vais vous montrer un truc. Vous rappelez-vous de ce Santana free-to-play qu'on a eu lors de des events de la mort de mai? On devait farmer notamment les Sud-Américains. Et bah voyez, il donne une ligne de S, ce Santana, et il a besoin de personne. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de tej cette 1-2 avec Natureza, parce qu'il n'y a que 10 stam d'écart, et celui-là, il peut le faire avec n'importe qui, il n'y a pas de contrainte. Sachant que, ok, il y a un Natureza vert, mais c'est pas celui que vous mettrez forcément titulaire dans une team verte. Vous pouvez le faire parce que quand même ce Natureza est intéressant, mais si vous jouez ce Santana dans une team mixte et qui est pas forcément Natureza, moi je vous conseille plutôt de mettre cette 1-2 là. C'est pas grave, ce Santana, ok, c'est une unité free to play, mais le Road X qui est le concernant, on l'a pas eu sur la globale, donc je suis pas sûr qu'on en ait besoin. Vous pouvez toujours donner ce Santana free to play avec la 1-2, elle est plus utile et pas de contrainte contrairement à l'autre. Simplement. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires des deux persos, si vous allez pull sur l'un ou sur l'autre. Nous, on va maintenant pull sur le portail de Xiao Zhongguang. Hop, on se retrouve sur le portail. J'avais oublié de dire naturellement sur ce portail-là, sur les deux portails, une multi offerte après avoir fait 3 multi payantes. Ça, c'est comme le jour de l'an sur la Jap, nous on l'a pas eu ça, quand ils avaient eu Rivaol et Levin en double Dreamfest. Vous avez les singles de disponibles, il n'y a pas de single à une orbe, bien entendu, c'est dispo toujours hein, sur le portail allemand qui part dans 2 jours, enfin dans 2-3 jours. Donc, dans l'idéal, moi, je répète le scénario idéal, c'est que je chope Xiao Zhongguang première multi, et je me casse de ce portail pour essayer de tenter de choper Jito sur le portail, ça c'est clair. Bon allez, on va faire la première multi, si je n'ai pas première multi, bah, je continuerai sur ce portail, tant pis. Allez, c'est parti. Allez, pas de multito s'il te plaît. Parce que en ce moment, ça m'a un peu. Ce mois-là m'a coûté vraiment cher, hein, ça c'est clair. Bon, je m'en suis sorti quand même avec Shingo et. Alors. Ouais, non, ça sent la mort. Ça sent la mort cette première multi. Allez, la Nankatsu. C'est pas la peine. J'avais perdu ma souris. Première multitose, donc on va rester sur ce portail. Alors, est-ce qu'on peut avoir des SR intéressants au moins? Enfin, qui m'intéresserait. Ah voilà, il y a un SR qui m'intéresse, je vais vous montrer pourquoi. C'est cet Espadas là. Vous avez, si vous avez le Cruyford, vous devez savoir que j'ai galéré à avoir sa passe. Ce Espadas a exactement la même passe technique que Cruyford. Donc vous pouvez donner les Espadas attaquant SR au Cruyford pour augmenter sa passe. Et ça c'est pas mal, donc je veux bien ces Cruyford. Les autres, bah toujours Jito avec le tacle puissant. Galvan qui pourrait me servir pour mon Galvan, même si bon c'est un contre A. Celui-là qui peut servir pour les 20 points si vous ne l'avez pas fini. Mais sinon, c'est pas fameux. Bon, on va rester sur ce portail. Donc maintenant, on va prier pour Xiao Zhongguang et pas de doublon de préférence. Allez, on va lancer la deuxième multi. Allez, s'il te plaît, ça serait bien. Au pire, j'aimerais pas manger une quenelle parce que c'est un peu chiant en ce moment. Je dois vous avouer. Après, je retombe toujours sur mes pattes, mais c'est hors vidéo quoi. Non, et rien, ça sent mauvais encore. Oh là 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 là. Alors on recommence comme sur le portail de Shingo, hein, ça pue la mort, sans déconner. Hein. Alors, est-ce qu'on aura du SR intéressant? Je l'avais jamais eu ce SR là. Super arrêt de... Ah ok, non, je pensais l'avoir déjà eu, mais non, c'est... Je vais voir sur une vidéo d'autre. Je crois pas qu'il y ait de SR intéressant, je vérifie juste pour ce Mexicain là. Est-ce qu'il donne une pas dans dribble rapide? Ouais non, c'est pas... Ouais bah on commence sur deux multis de merde, hein, clairement. De toute façon, vu ce que Shinny a eu,
C'était évident que j'allais, j'allais pas avoir de chance, parce que quand Shinny a de la chance, j'en ai pas. Et il a, il a dévalisé le portail, ils en parlera peut-être dans un vidéo Bleach, mais là, pour l'instant, ça sent mauvais. Bon, il reste deux multi-tirs. Encore une fois, si Shop Jiao Jungkong, on oublie tout, c'est pas grave. Mais bon. Ou un Bunak, hein, je dis pas non, un Bunak par exemple, mais il est hors détecteur Bunak. Donc c'est un peu compliqué. Quand même, il y a du feu d'artifice de partout. Pas de flamme. Ah putain, allez, dis-moi, allez. Équipe complète, on a une chance, allez. Oh, non, pas Roberto, non. Non, pas Roberto, oh non. Ah, oh, ça sent la multitose encore. Non, oh putain. Contre Napoléon, j'ai déjà eu, mais il dit rien. C'est celui qui donne l'interception, celui-là. Dribble en ligne droite. Ah non, ça c'est pas mal, parce que du coup, ça va augmenter mon dribble en ligne droite de Napoléon. Et on a le même schéma que le portail de Shingo. C'est ouf. Les trois premiers multi-tose. Là, on avait quand même le feu d'artifice partout, mais bah, pas de flamme. L'équipe complète, mais Roberto qui... Ça peut se transformer avec Roberto, mais ça me l'a déjà fait sur les multi-amis. Mais sur les multi-payants, je sais pas. Ah, le Karts quand même pour son tac que je dois augmenter, mais... Bon, bah... Allez, c'est le moment de vérité, la multi-gratuite. Allez, on espère quand même repartir avec un SSR, ça serait bien, hein, sans déconner. Ah non, j'ai pas envie de vous proposer deux vidéos de suite Tionel, quoi. Allez. Pas de flamme encore, mais non. Oh non. Oh, c'est pas vrai, mais c'est pas possible. C'est ouf. Ça fait deux portails de suite de ce type où j'ai 0 SSR en 4 multi. Sans déconner, cet anniversaire en ratio de SSR, il est dégueulasse pour moi. Oh la vache. Que dire de plus, hein, je sais pas quoi dire. J'avais hésité à passer ce Dreamfest. J'aurais mieux fait, hein, parce que... Encore une fois, c'était pas vital que j'ai ces un des deux persos ou les autres persos, mais... J'ai voulu tenter quand même. Ça m'apprendra. Bon, bah, pour l'instant, ce mois de juin, hein, pour récapituler, on a du bon SSR quand même. On a chopé Ishizaki World Cup. On a chopé Müller World Cup et Shingo World Cup. Sauf que j'ai fait 4, 8, 12 multi. Ouais, j'ai fait 12 multi pour 3 SSR. Enfin, pour 5 SSR. 12 multi pour 5 SSR, c'est vraiment pas terrible. On est en dessous des 5%. Ça m'a coûté cher. Ça m'a vraiment coûté cher. Bon, c'est comme ça, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, hein. La chatte 2018, ça sera peut-être pour sur le portail des boobs demain, mais que je ferai pas forcément en vidéo, et peut-être sur l'émissaire de Bleach. Mais bah là, je me prends des quenelles, hein, je sais pas, je vais zapper ces portails, hein, tant pis. C'est pas pour moi, j'espère que t'as eu plus de chance que moi, n'hésite pas à me dire ce que t'as eu dans les commentaires. On se retrouve tout de suite, si c'est sorti, ou très bientôt, pour la deuxième vidéo qui sort là, peu après, où je vais récapituler les infos. Bon, j'aurai un peu de sel, je vais essayer de pas le montrer en vidéo, mais c'est comme ça. Et bah du coup, on se retrouve tout de suite, Jubai, Cimer.